aujourd'hui, donc il va porter sur l'introduction à l'épidémiologie. La première chose qu'il faut savoir d'abord, c'est l'objectif pédagogique du cours. L'objectif pédagogique du cours, donc à la fin de cet enseignement, l'étudiant normalement saura définir ce que c'est que l'épidémiologie. L'étudiant saura aussi définir quelles sont les branches principales de l'épidémiologie. Et ainsi aussi l'étudiant connaîtront quels sont les buts pratiques, quels sont les outils, quelles sont les stratégies qu'utilise l'épidémiologie. Et enfin, à la fin de ce cours, l'étudiant pourront citer quels seront les domaines d'investigation de l'épidémiologie. Donc voilà à peu près les quatre principaux objectifs que je vais m'atteler justement à développer à travers, bien sûr, ce modeste cours. Bien. S'il vous plaît, mes chers étudiantes et étudiants, essayez de vous fixer sur cette première diapo. Et vers la fin, justement, vers la fin, nous allons comprendre le contenu un peu de cette diapositive. Il y avait un médecin qui a vécu entre le 11e et le 10e siècle après Jésus-Christ, c'est Maïmonide. Maïmonide qui était un médecin juif et qui, justement, avait dit un jour, vivez raisonnablement sur 1 millier de personnes, il n'y a qu'un seul qui va mourir de mort naturelle et le reste va mourir un jour, mais leur mort sera secondaire à des modes de vie irrationnels. Vous voyez, ça veut dire sur 1000 sujets, il y aura un seul qui va mourir d'une mort naturelle et les autres, ils auront ce qu'on appelle des morts secondaires à ce qu'on appelle des modes de vie irrationnels. L'irrationalité de la vie, par exemple le fait de fumer, le fait de consommer de l'alcool, le fait d'être obèse, le fait de mal dormir, le fait de veiller énormément, le fait un petit peu d'avoir une vie qui n'est pas en rationalité avec l'essence même de la vie. Eh bien, ça va être un mode de vie irrationnel et qui va causer la majorité des décès. On va écouter aussi, on va lire, pardon, ce que disait un philosophe grec, Démocrite, 460 avant Jésus-Christ, qui disait que les hommes supplient les dieux de leur donner la santé. Mais ces mêmes hommes oublient qu'elles dépendent d'eux. Ça veut dire que, à l'époque, regardez, 460 années, justement, avant ou après Jésus-Christ, les gens, quand même, savaient que, finalement, qu'il y a des modes de vie qui sont irrationnels. Ça veut dire que c'est des modes de vie qui peuvent donner ce qu'on appelle des maladies. D'ailleurs, vers la fin du cours, vous allez revenir à cette diapo et comprendre un petit peu l'essence même de cette diapositive. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire d'abord, en introduction, que l'épidémiologie, il fut un temps autrefois, car il faut savoir que l'épidémiologie est une discipline qui date à peu près d'un siècle et demi, 150 années. L'épidémiologie à l'époque était limitée, était restreinte uniquement à l'étude de phénomènes morbides, c'est-à-dire l'étude de maladies qui se traduisent par une augmentation de cas dans un espace, etc. Et ensuite, toujours, justement, l'épidémiologie, elle était centrée uniquement sur les maladies infectieuses. Par exemple, quand vous voyez les travaux de John Snow, de Philippe Semmelweis, ces gens-là qui ont beaucoup travaillé sur les maladies infectieuses. Et l'épidémiologie, à l'époque, elle trouvait son intérêt car elle était centrée sur les maladies infectieuses. Il fallait attendre quand même les années 50. Il y a eu une étude, c'était ce qu'on appelle l'étude de Dolehill, sur l'origine des cancers bronchopulmonaires. Eh bien, les années 50 avaient connu un autre essor de l'épidémiologie, car pour la première fois, on allait avoir de nouvelles méthodes et l'objet des recherches épidémiologiques. Donc, il faut savoir une chose importante,
c'est que l'épidémiologie, à un moment donné, elle a été la science des épidémies. Ça veut dire parce qu'elle était centrée sur les maladies transmissibles, sur les maladies infectieuses, c'est-à-dire sur les maladies contagieuses. Un élément très important, c'est que il y a eu un peu cette transition, ce passage de l'étude des maladies infectieuses vers l'étude des maladies non infectieuses, c'est ce que nous appelons les maladies non transmissibles ou ce qu'on appelle les maladies chroniques. Donc, vous voyez, donc l'épidémiologie, elle est passée de l'étude des épidémies, des maladies contagieuses, des maladies infectieuses, bien sûr, parce que à l'époque, c'était le monde microbien, on ne connaissait pas l'antibiothérapie, les gens mouraient de maladies infectieuses, etc. Et l'épidémiologie a trouvé son intérêt. À partir des années 50, justement, avec l'apparition des cancers, l'apparition des maladies cardiovasculaires, l'épidémiologie, elle a changé de concept et de domaine d'application et elle étudie les maladies non transmissibles. Regardez un élément important, je dis que, et enfin, aux états intermédiaires entre l'état de santé et la maladie. Ça veut dire, on a, regardons bien, l'épidémiologie, c'était l'étude des maladies infectieuses, c'était l'étude des maladies occasionnées par les infections. Ensuite, c'était les maladies non transmissibles, c'est-à-dire les maladies chroniques, et aussi les états intermédiaires, ça veut dire entre un état de santé et la maladie. Il faut savoir aussi que l'objet de l'épidémiologie avait changé. Pourquoi? Parce qu'il avait changé du moment que les épidémies, les maladies non transmissibles, les états intermédiaires, donc à partir de là, l'objet de l'épidémiologie avait changé et on est passé de l'étude descriptive des maladies, c'est-à-dire on décrivait une maladie, quelle est son origine, elle touche quel sexe, elle touche quelle personne, la tranche d'âge. Donc, on est passé de l'épidémiologie descriptive vers ce qu'on appelle l'origine de la maladie, qu'on appelle la recherche étiologique de la maladie. Et ensuite, maintenant, nous sommes justement dans un domaine assez important, c'est ce que nous appelons l'évaluation. C'est-à-dire, on est en mesure actuellement d'évaluer quel est l'intérêt d'un programme de santé, quel est l'intérêt d'un traitement, quel est l'intérêt d'une chirurgie, etc. Donc, sur cette première diapositive, s'il vous plaît, les enfants, il faut retenir une chose importante. Un, l'épidémiologie, elle est passée par l'étude des épidémies, les maladies contagieuses, vers ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, en passant par l'étude, ce qu'on appelle des états intermédiaires. Et deuxième élément, parallèlement, l'objet de l'épidémiologie avait changé. On est passé de l'épidémiologie descriptive, où on décrivait la maladie, vers ce qu'on appelle l'épidémiologie étiologique, c'est-à-dire la recherche de la cause de la maladie, vers un autre domaine, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie évaluative. Ça veut dire on évalue des techniques de traitement, on essaie d'évaluer un traitement, d'évaluer un programme de vaccination, d'évaluer ce qu'on peut appeler aussi un système de soins. Donc, la définition actuelle qui est donnée au cours du symposium de l'OMS en 1968, attention, c'est une définition qui est toujours restée d'actualité. C'est que l'épidémiologie, elle est définie comme étant l'étude de la distribution des maladies. Ça veut dire quoi, la distribution des maladies? Ça veut dire la répartition des maladies. Comment ces maladies se répartissent dans la population générale? Donc, l'étude de la répartition des maladies. Deuxièmement, c'est l'étude des invalidités dans les populations humaines. Ça veut dire des maladies, des handicaps. C'est tout ce qui est invalidant dans la population humaine. Et troisième élément important, c'est les facteurs ou les influences
qui vont déterminer cette distribution. Très important. Donc, cette définition, qu'est-ce qu'elle regroupe? Elle regroupe trois éléments importants. Un, c'est la fréquence de la maladie, c'est-à-dire la distribution de la maladie. Deuxièmement, c'est surtout la répartition des maladies. Et enfin, le troisième élément, quels sont les facteurs ou le facteur qui va être justement déterminant dans l'augmentation de la fréquence de la maladie ou bien de la distribution de la maladie. Donc, c'est la définition qui est retenue à l'heure actuelle par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1968. Donc, nous nous résumons, c'est l'étude de la répartition de maladies et des invalidités dans les populations humaines, ainsi que les facteurs ou bien les influences, c'est-à-dire les inéricacettes, qui vont déterminer cette distribution. Bien, regardons au cours de l'histoire. Au cours de l'histoire, regardons, il y a eu quand même plusieurs éminents chercheurs, éminents savants, qui ont voulu justement, au cours du temps, ils ont donné de nombreuses définitions de l'épidémiologie. Regardez, on va remarquer des dates 1927, 1951, 1970, 1981. Ça veut dire que chaque moment de l'évolution du temps, chaque moment de l'évolution du temps, justement, l'épidémiologie avait créé une définition. Ça, c'est un élément très important. Chaque moment de son évolution dans le temps, l'épidémiologie avait créé une définition. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que finalement, l'épidémiologie est une discipline qui s'adapte justement à son mode d'évolution. C'est très important. À titre d'exemple, il y a eu Frost, en 1927, qui avait dit que l'épidémiologie, c'est la science des maladies infectieuses en tant que phénomène de masse, consacré à l'étude de leur histoire naturelle, de la propagation de ces maladies dans le cadre d'une certaine philosophie. Il ne faut pas oublier que 1927, c'était la découverte de l'antibiothérapie, le premier antibiotique par Fleming, c'était en 1927. Et à partir de 27, on a eu les antituberculeux, etc. Donc avant 1927, donc il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas d'antibiothérapie, donc il n'y avait pas de traitement, il n'y avait que des maladies infectieuses. Il fallait recourir bien sûr à des thérapies, mais c'était des thérapies non pharmacologiques. Bien. Ensuite, il y a eu 1951, c'est un Américain, Maxey. Maxey qui nous dit que l'épidémiologie, c'est une branche de la médecine. Mais attention, elle étudie les relations. Maxey disait que l'épidémiologie, c'était une branche de la médecine qui nous permettait d'étudier les relations, si vous voulez, entre les différents facteurs qui détermine l'augmentation de la maladie dans une population générale. Donc, pour la première fois, regardez, un élément nouveau apparaît, c'est les facteurs qui vont expliquer l'augmentation des maladies. Vous voyez, en 27, on parlait des maladies infectieuses en tant que phénomène de masse. Mais en 51, un nouveau élément qui rentre, ça veut dire c'est le facteur qui peut déterminer l'apparition d'une maladie. McMahon, en 1970, alors il donne une autre définition, alors il suit le cours de l'OMS qui a donné la définition 68, il dit que c'est l'étude de la répartition de la maladie chez l'homme et des facteurs qui déterminent ces maladies. Voilà, d'ailleurs c'est la définition qui a été retenue sur le plan épidémiologique. Donc c'est l'étude de quoi ? De la répartition des maladies chez l'homme et des facteurs qui vont expliquer l'apparition de cette maladie dans la population. Regardons bien, mes enfants, trois éléments importants. Dans cette définition, vous avez la fréquence de la maladie, vous avez la distribution de la maladie et vous avez le déterminant de la maladie, c'est-à-dire le facteur qui va expliquer la maladie. Ensuite, en 82, il y a eu ces professeurs Jenicek, ce sont des Canadiens,
Je rappelle que Mac Mahon était français. Génie Sucre, canadien, en 82, il a complètement révolutionné l'approche épidémiologique ou l'approche de l'épidémiologie. Il leur dit, attention, l'épidémiologie, c'est un raisonnement. Regardons bien, c'est un raisonnement, c'est une méthode, qui est liée au travail en médecine et dans d'autres sciences de la santé et qui est appliquée dans la description des phénomènes de santé, l'explication de ces maladies et les méthodes d'intervention qu'on devrait utiliser. Donc, vous voyez, Génisek, il a été parmi les premiers à dire que l'épidémiologie, c'est une méthode de raisonnement, c'est une méthode objective en médecine. Ça veut dire un médecin, un chercheur qui veut comprendre ce qu'il fait doit avoir recours à l'épidémiologie. Pourquoi? Parce que elle lui permet d'abord de décrire la maladie, décrire la maladie, expliquer la maladie et troisième élément, utiliser les méthodes d'intervention les plus efficaces. Regardons bien maintenant, il y a eu en 1987 toujours les élèves de Génisek, le Paul Marie Bernard et Claude Lafouette, qui en 87, ils ont introduit un concept nouveau, c'est de dire que l'épidémiologie est une science qui permet de quantifier. C'est pour la première fois on utilise un mot important, la quantification. Ça veut dire c'est une science qui permet de mesurer. C'est une science qui permet de mesurer quoi? Elle permet d'abord de mesurer la fréquence d'une maladie, c'est-à-dire l'apparition d'une maladie, sa répartition dans les populations humaines. Deuxièmement, elle permet de mesurer la relation entre la maladie et le facteur qui... j'ouvrirai une parenthèse, je dirais que l'épidémiologie, c'est plus démocrate que certains. Voilà. Le deuxième élément du but pratique de l'épidémiologie, c'est que l'épidémiologie, elle permet d'identifier. Identifier, ça veut dire quoi? Identifier, ça veut dire identifier l'ampleur des problèmes. Du moment qu'on peut mesurer, du moment qu'on peut quantifier, à travers les données que nous recevons, on peut calculer une fréquence, on peut calculer une incidence, on peut calculer une prévalence. Ça veut dire, nous allons dire, attention, il y a augmentation de cas de maladie. C'est ce qu'on appelle l'identification. Donc, identifier quoi? L'ampleur des maladies, la fréquence des maladies. Ça veut dire, ça va nous permettre d'identifier quels sont les groupes d'intérêt, quels sont les groupes à risque, etc. Troisième élément, contribuer, identifier. Le but aussi de l'épidémiologie, c'est de découvrir, c'est de rechercher la cause de l'apparition de la maladie. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'elle permet d'étudier la distribution de maladies et aussi de déterminer le ou les facteurs à l'origine de la maladie. Donc, l'épidémiologie nous permet de découvrir la cause de l'apparition de la maladie, bien sûr, dans une population. Donc, c'est d'abord contribuer, identifier, découvrir, et aussi, le but pratique de l'épidémiologie, c'est d'évaluer. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure en première diapo? Dans le domaine d'application, l'épidémiologie est passée par l'épidémiologie descriptive, l'épidémiologie d'intervention et aussi l'épidémiologie d'évaluation, c'est-à-dire on est en mesure d'évaluer un programme de santé. Si nous vaccinons une population, à un moment donné, on va se poser la question, est-ce que ce programme de vaccination a été efficace? Donc, on va calculer l'efficacité vaccinale à partir des populations vaccinées et de la population non vaccinée et on va tirer des conclusions en matière d'évaluation. Enfin,
Regardons bien, le but pratique de l'épidémiologie, c'est de faire quelque chose de merveilleux, c'est ce que nous appelons la surveillance épidémiologique. D'ailleurs, c'est l'un des domaines les plus passionnants de l'épidémiologie. Ça veut dire quoi? L'épidémiologiste peut surveiller la maladie, surveiller les maladies dans le temps et dans l'espace. Surveiller les maladies, ça veut dire quoi? On va étudier comment une maladie évolue dans une population. Comment cette maladie, elle est en train d'évoluer dans un environnement géographique, dans un espace donné, etc. Et à partir de là, on pourra proposer des solutions de prise en charge, etc. Donc, les buts pratiques de l'épidémiologie, un, c'est de contribuer. Deuxièmement, c'est d'identifier l'ampleur des problèmes. Troisièmement, de découvrir, voilà, l'origine de la maladie. On évalue aussi l'efficacité des traitements et aussi l'épidémiologie, elle permet de faire de la surveillance épidémiologique. Ça veut dire qu'on va étudier l'évolution de la maladie dans le temps et dans l'espace. Bien. Regardons bien toujours Jenisek. Ça, c'est ce qu'on appelle le cours naturel d'une maladie. Le cours naturel d'une maladie. C'est un petit peu l'évolution naturelle d'une maladie. Une maladie évolue comment? Vous avez les quatre étapes. Vous avez la bonne santé de l'individu. Vous avez l'exposition à un facteur ou plusieurs facteurs de risque. Vous avez le stade préclinique. Vous avez le stade clinique, c'est-à-dire symptomatique. Et vous avez les complications. C'est ce qu'on appelle les conséquences à long terme. Toute maladie que nous étudions en médecine clinique, toutes les maladies évoluent selon ce mode. Vous avez la bonne santé, vous avez l'exposition aux facteurs de risque, vous avez le stade préclinique, vous avez le stade clinique symptomatique et vous avez les complications. On peut prendre des exemples. Vous avez quelqu'un qui est en bonne santé, qui est en train de fumer, donc c'est une exposition à la consommation de tabac. Le stade préclinique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des signes annonciateurs, justement, d'une maladie. Donc, il peut avoir des douleurs thoraciques, il peut avoir des crachats, il peut avoir ne pas manger, une inappétence, etc. Ensuite, c'est la phase clinique, une toux, par exemple, une toux sanguinolente, etc., etc., avec une douleur vasithoracique, etc., un amaigrissement, etc. C'est peut-être inconscient. Du poumon, bien sûr, avec toutes les complications de la maladie. Donc, toute maladie, elle évolue comme ça. Regardez bien, mes enfants, un élément très, très important. Pour l'épidémiologiste, regardez bien, à chaque phase du cours naturel de la maladie, nous pouvons intervenir. Nous pouvons faire des études normatives, ça veut dire quand c'est la bonne santé, on va faire ce qu'on appelle des études normatives. On peut travailler sur le poids, on peut travailler sur la taille, on peut travailler sur le comportement, on peut travailler sur ce qu'on appelle le retard staturopondéral, etc. On peut faire des études normatives. Quand on est exposé à la consommation de tabac, on peut identifier quels sont les sujets à risque. Ça veut dire que dans une population, les sujets fumeurs, par exemple, sont exposés au risque de développer ce qu'on... Donc, on peut faire ce qu'on appelle des études pour pouvoir identifier les sujets à risque. Regardez, quand on est entre B et D, c'est-à-dire on a des symptômes, ou bien avant qu'on ait des symptômes, on peut faire quoi? On peut créer des méthodes ou des moyens pour pouvoir dépister une maladie et faire un diagnostic précoce. Par exemple, dépister une tuberculose par, bien sûr, l'intradermo-réaction à la tuberculite, une radio du thorax ou là un examen des crachats. Par exemple, dans le cas du cancer du sein, par exemple, dans une famille à risque où il y a le cancer, on va dépister le cancer du sein par ce qu'on appelle une mammographie. Par exemple, dans le cas du cancer du col, toute femme au-delà de la cinquantaine doit faire un frottis cervico-vaginal. C'est ce qu'on appelle un moyen de dépistage, justement, du cancer du col. Plus on dépiste,
Donc, plus on fait le diagnostic précoce, et on aura moins de conséquences à long terme. Donc, vous voyez, encore, regardons bien, par exemple, on peut faire ce qu'on appelle des études étiologiques. Des études étiologiques qui peuvent aller de l'exposition aux complications, on peut faire des études analytiques pour essayer de rechercher la cause de la maladie. La cause de la maladie. Donc, on peut faire des études étiologiques. On peut aussi faire ce qu'on appelle des études cliniques, ce qu'on appelle l'épidémiologie clinique. Ça veut dire, par exemple, c'est des patients qui sont en phase clinique ou qui ont des complications. À partir de là, on peut faire des études cliniques. Et quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est pour, bien sûr, aider au diagnostic, pour évaluer des traitements, etc., et la qualité de la bonne pratique médicale, etc. Donc, vous voyez, donc, à travers le cours naturel de la maladie, le champ d'activité de l'épidémiologie, il est très, très varié. Il peut aller vers des études normatives, faire l'identification des sujets à risque, faire ce qu'on appelle de la recherche en matière de dépistage, on peut faire des études étiologiques, on peut faire des études cliniques, on peut faire des études descriptives qui portent sur la surveillance épidémiologique, etc. Voilà ce qui va donc nous permettre d'étudier ce cours naturel de la maladie. Bien. En d'autres termes, si maintenant je résume qu'est-ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. L'épidémiologie, donc, on étudie la distribution de la maladie, on étudie les facteurs qui expliquent l'augmentation de la maladie et les facteurs qui peuvent expliquer cette maladie. Donc, regardez. Dans cette définition, même de celle de 68, vous retrouvez trois concepts qui sont interdépendants. Un, c'est la répartition de la maladie. Deuxièmement, c'est les déterminants, c'est-à-dire les facteurs qui peuvent expliquer la maladie. Et troisièmement, c'est le nombre de cas de maladie, c'est-à-dire c'est la fréquence. Donc, vous voyez finalement, dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure, nous avons trois concepts interdépendants, c'est la distribution de la maladie, les déterminants de la maladie, la fréquence de la maladie. Il faut savoir, mes enfants, que ces trois concepts recouvrent l'ensemble des principes et des méthodes en épidémiologie. Voilà. Si on arrive à étudier la distribution de la maladie, si on arrive à l'expliquer en analysant les déterminants, si on arrive à déterminer la fréquence de la maladie, ça veut dire que tous les principes des méthodes épidémiologiques sont retrouvés dans ces trois concepts interdépendants. Bien, alors, je vais essayer de, si vous voulez, d'analyser le mot distribution, déterminant et la fréquence. Bien, pour ce qui est de la distribution de la maladie, il faut savoir que pour étudier une distribution de maladie ou ce qu'on peut appeler communément la répartition d'une maladie, il y a trois questions importantes. Il faut toujours se poser trois questions. Qui est malade dans la population? Où la maladie est apparue? Et quand la maladie est-elle apparue? Voyez, la première question, qui est malade dans la population? Elle répond à la question « qui sont les personnes qui sont touchées par la maladie ?» C'est ce que nous appelons les caractéristiques de personnes. D'ailleurs, vous aurez toute la latitude de voir ça avec Dr Ben Aljia. Où la maladie est apparue? Ça veut dire l'origine, l'endroit. C'est ce qu'on appelle les caractéristiques de lieu. Quand la maladie est apparue, est-ce qu'elle est apparue en hiver, en automne, au printemps, en été, ou bien elle est autonome, par exemple, elle est autonome printanière, etc. Donc, la maladie, donc là, ce qu'on appelle les caractéristiques du temps. Donc, vous voyez, donc,
la distribution de la maladie, sa connaissance, est essentielle. Pourquoi ? Parce qu'elle nous permet de décrire la maladie. Décrire la maladie, ça veut dire que, est-ce que la maladie, qui sont les personnes que la maladie touche ? Est-ce qu'elle touche le sujet âgé ? Est-ce qu'elle touche le sujet jeune ? Est-ce qu'elle touche les enfants de moins de 15 ans ? Est-ce qu'elle touche uniquement les femmes ? Est-ce qu'elle touche uniquement les hommes ? Etc. Donc, vous voyez. Ensuite, la caractéristique de lieu. Est-ce que c'est une maladie qui est rurale ? Est-ce que c'est une maladie qui est citadine ? Est-ce que c'est une maladie qui est dans les villes côtières ? Etc. Donc, on répond aux caractéristiques de lieu. La caractéristique de temps, c'est-à-dire, est-ce que la maladie, elle a un caractère saisonnier ? Par exemple, est-ce que c'est une maladie qui a un cycle tous les 2 ans, tous les 3 ans, etc. Là, c'est ce qu'on appelle la caractéristique de temps. Donc, la connaissance de la distribution est une étape importante parce qu'elle nous permet ce qu'on appelle de décrire la maladie selon les caractéristiques de temps, de lieu, de personne. C'est ce que nous appelons l'épidémiologie descriptive. Donc, une épidémiologie qui décrit les personnes, qui décrit le lieu, qui décrit le temps, on l'appelle ça l'épidémiologie descriptive. Mais attention, l'épidémiologie descriptive, elle nous permet de formuler des propositions de réflexion, c'est ce qu'on appelle des hypothèses, et à partir de ces hypothèses, nous pouvons faire ce qu'on appelle de l'analyse ou ce qu'on peut appeler aussi la recherche étiologique ou ce qu'on peut appeler aussi l'épidémiologie étiologique. Bien. Deuxième élément, c'est la mesure de la fréquence de la maladie. La fréquence de la maladie, ça veut dire quoi ? Nous allons mesurer quel est le poids de la maladie dans la population. Quelle est la fréquence de la maladie ? Il y a combien de cas de maladie par rapport à la population. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est des données de morbidité, c'est des données de mortalité, c'est des données de létalité, etc. Donc, ça veut dire, à partir de données que nous avons recueillies au sein de la population, nous pouvons déterminer ce qu'on appelle des indicateurs de mesure de santé, qui vont nous permettre justement de dire quelle est la fréquence de la maladie dans une population. Un indicateur de santé pour un épidémiologiste, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le symptôme pour le clinicien. Voilà, c'est le symptôme pour le clinicien. Le clinicien, qu'est-ce qui l'intéresse ? C'est le symptôme. Eh bien, pour un épidémiologiste, pour un homme de la santé publique, l'indicateur de santé, c'est le symptôme de la maladie pour un épidémiologiste. Et là, je vous laisserai toute la latitude d'étudier les indicateurs de santé avec professeur Toby, où il va parler de la mortalité, de la morbidité, etc. Donc, je ne vais pas empiéter sur ce sujet. Bien. Mais il faut retenir que, d'abord, on étudie la distribution de la maladie. Deuxièmement, la fréquence de la maladie. La fréquence de la maladie, c'est-à-dire on va mesurer quel est le poids de la maladie dans une population. Comment ? Par le calcul des indicateurs de santé. Les indicateurs de santé, ils sont nombreux. Vous allez voir qu'il y a des indicateurs de santé positifs, des indicateurs de santé négatifs, etc. Bien. Alors, il faut savoir aussi que la méthode que nous utilisons, c'est ce qu'on appelle la méthode statistique. Ça veut dire que vous aurez toute la latitude de faire avec Dr. Benalvia. La méthode statistique, ça veut dire pas les statistiques. Vous allez faire la méthode statistique. Les statistiques, c'est ce qu'on appelle le dénombrement, les calculs, etc. Mais là, la méthode statistique, ça veut dire c'est le raisonnement. Ça veut dire c'est l'interprétation de données qu'on rencontre dans les sciences de la vie. C'est ce que, surtout, vous savez, ce qui nous frappe, nous médecins, nous biologistes, nous pharmaciens, vétérinaires ou dentistes, ou bien des ingénieurs en agronomie, c'est que nous sommes dans la variabilité. Variabilité, ça veut dire d'un individu à un autre individu, les choses ne sont pas les mêmes. Vous prenez par exemple une formule de numération sans ligne.
Chez le premier malade, par exemple, le taux de globules blancs, il est de 9800. Chez l'autre, il est de 9700. Vous prenez un autre, il est de 9500. Vous prenez chez quelqu'un d'autre 9300. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que nous appelons la variabilité. Vous prenez dans une population générale la couleur des yeux. Les yeux bleus, les yeux marrons, etc. Les yeux bleus, les yeux verts, les yeux gris. Donc, cette différence, c'est ce qu'on appelle la variabilité. Vous prenez la couleur des cheveux, vous avez des blancs, des blondinés, vous avez des châtains, vous avez des yeux dormants. Donc, vous avez la variabilité. Vous savez, dans le domaine biologique, dans le domaine médical, dans le domaine vétérinaire, dans le domaine, dans tout le domaine qui a un trait avec les sciences de la vie, nous sommes frappés par un phénomène qu'on appelle la variabilité. Comprendre la variabilité, expliquer la variabilité, c'est l'essence même d'un chercheur dans le domaine de l'épidémiologie. Bien. Je vais dire juste deux mots pour ne pas empiéter sur Dr. Benhajia. Elle va vous parler de la statistique descriptive, qu'on peut appeler aussi exploratoire, qu'on appelle aussi la statistique déductive. Voilà. Quel est le but de ce type de statistique? Ça veut dire, à partir de l'observation d'une population, nous allons résumer les données pour avoir ce qu'on appelle une mesure pour calculer une moyenne, pour calculer une médiane ou bien pour calculer un écart-type. Donc, vous voyez, donc à partir d'une population, à partir d'un ensemble de données, nous allons calculer une mesure résumée, bien sûr, et cette mesure-là, comment? Bien sûr, comment on va faire? On va d'abord l'organiser, la synthétiser, la présenter, la calculer, et on aura une petite valeur, etc. C'est ce que nous appelons la statistique descriptive ou déductive. À partir de là, le deuxième type, c'est ce qu'on appelle la statistique inférentielle. On l'appelle la décisionnelle. On l'appelle aussi la statistique inductive. Inférentielle, ça vient du verbe inférer, verbe du premier groupe. Inférer veut dire quoi? Veut dire extrapoler. Ça veut dire statistique inférentielle, c'est une statistique d'extrapolation. Ça veut dire quoi? Je vais observer un échantillon, à partir des résultats de l'échantillon, je vais inférer mes résultats par rapport à la population. Donc, à partir de l'échantillon, je vais extrapoler mes observations à l'échelle de la population. Donc, vous aurez toute la latitude d'en parler avec Dr. Benhajia. Bien. Alors, on a parlé de la distribution, on a parlé de la fréquence. Maintenant, nous allons dire un mot sur les déterminants de la santé. Les déterminants de la santé, ça veut dire être bien ouais. Voilà, ça veut dire les choses qui vont donner la maladie. Il faut savoir, mes enfants, il faut savoir que les déterminants de la maladie découlent à partir de la fréquence de la maladie et de la distribution de la maladie. Il faut savoir que dans les déterminants de santé, c'est quoi? Ce sont des facteurs, voilà, qui vont avoir un impact sur l'état de santé. On a des déterminants de santé positifs, on a des déterminants de santé négatifs. Les déterminants de santé négatifs, ça veut dire qu'ils vont avoir un impact négatif sur la santé. Par exemple, le fait de fumer, c'est un déterminant négatif. Le fait de faire du sport, c'est un déterminant positif. Trop manger est un déterminant négatif. Ne pas dormir est un déterminant négatif. Vous voyez, bien manger à des moments opportuns de la journée, c'est quoi? C'est un déterminant positif. Donc, vous voyez, alors, on va prendre un exemple. Selon le Haut Comité de Santé Publique, à titre d'exemple, là, du Canada, ils ont résumé un petit peu parmi les déterminants négatifs, il y a 5 grandes catégories. Voilà, par exemple, les environnements sociaux, c'est un déterminant qui peut être négatif.
quand vous avez un environnement social qui n'est pas bon, il peut donner des maladies. Un environnement physique, quand il n'est pas bien, on a, par exemple, s'exposer trop longtemps au soleil, etc., la couche d'ozone, etc. Donc, ça a un impact négatif. Les habitudes de la santé, le fait de fumer, de prendre de l'alcool, de prendre de la drogue, ce qu'on appelle les SPA, substances psychoactives, tout ça va avoir un effet négatif sur la santé. Par exemple, quand vous avez des services de santé qui ne répondent pas aux besoins de la population. Par exemple, quelqu'un de malade qui va se présenter au service de santé, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de médicaments, son état de santé va s'aggraver. Donc, quand vous avez un mauvais service de santé, ça veut dire qu'il va être à l'origine d'un déterminant de santé négatif, etc. Donc, voilà à peu près, hein, je parle. Alors, vous allez me dire, monsieur Kadir, et le niveau de revenu, le statut social? Oui, quand vous avez un très mauvais niveau de revenu, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous soigner. Vous voyez, donc quand on ne peut pas se soigner, quand on tombe malade, donc ça veut dire qu'on va se compliquer. Quand on a un mauvais statut social, on est par exemple au chômage chronique, etc., on n'a pas de ressources, etc. Donc vous voyez, donc tout ça peut être considéré comme des déterminants négatifs, bien sûr au positif, la santé, etc. Bien, voilà, en résumé, regardez, à l'intérieur du cercle, vous avez donc des femmes et des hommes, regardez. Vous avez les facteurs liés au style de vie, voilà. Par exemple, si le bonhomme est fumeur, si le bonhomme est consommateur de SPA, etc., ça peut avoir une influence sur la santé. Regardons par exemple ce que vous avez en vert, conditions de très mauvaises conditions de travail peuvent avoir un effet négatif. Le chômage peut avoir un effet négatif. Quand vous avez de l'eau, vous n'avez pas d'eau à la maison, quel est le risque de pénurie avec le problème des maladies à transmission hydrique? Quand vous avez de mauvais services de santé, ça peut avoir un impact sur la santé. Si vous n'avez pas de logement, hein, ce, par exemple, vous n'avez pas où habiter, quand l'espace est restreint, il n'est pas suffisant, donc vous pouvez avoir un problème de rhumatisme articulaire aigu. La promiscuité est un facteur déterminant dans les maladies aérogènes, comme la tuberculose par exemple, parce que nous sommes concentrés dans une petite superficie et comme tout est fermé, donc on est dans des enclos fermés, donc ça peut accentuer les maladies aérogènes, etc. Quand vous avez une mauvaise éducation, une éducation où vous avez été abandonné, et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, vous pouvez avoir une incidence négative, etc. Si maintenant en matière d'agriculture, maintenant vous utilisez beaucoup de pesticides, par exemple, ça veut dire vous utilisez beaucoup d'engrais qui risquent un petit peu de donner la malvie, bien sûr, aux aliments que le sujet va consommer, et ben, ça peut être à l'origine de certaines maladies, etc. Et enfin, vous avez la grande bande, c'est les conditions socio-économiques, culturelles, environnementales, qui peuvent avoir un effet négatif, comme ils peuvent avoir un effet positif sur la santé. Regardez ce que je dis, ces niveaux-là, premier niveau, deuxième, troisième, quatrième, ne sont pas indépendants les uns des autres, ils interagissent, ça veut dire il y a des interactions, ça veut dire vous pouvez avoir le chômage avec le milieu de travail, vous pouvez avoir éducation avec consommation de drogue, etc. Donc il y a des interactions entre les individus et ces facteurs. Voilà un petit peu pour résumer un petit peu cette notion de déterminant. Alors voilà, vous avez les déterminants liés au comportement. Au comportement, ça veut dire que ce sont des facteurs de mode de vie, les habitudes alimentaires, la consommation de drogue, la sédentarité, les comportements sexuels à risque, les comportements de prise de violence, de risque, etc. Ce sont des déterminants liés au comportement. Les déterminants liés à l'environnement. À l'environnement, par exemple, vous avez un environnement physique, chimique, microbiologique,
par exemple, qui peut bien sûr donner, bien sûr. Quand vous avez quelqu'un qui va produire des ordures à côté de chez lui, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Des moustiques, des rats, etc. Donc, à partir de là, on peut transmettre des maladies, etc. Donc, vous voyez, donc l'environnement physique, l'environnement chimique, l'environnement microbiologique, etc. Donc, peuvent altérer des conditions de vie, bien sûr, ou bien des conditions de travail, etc. Vous avez les déterminants biologiques, c'est l'âge, le sexe, les facteurs héréditaires. Mais là, la seule différence, ce sont des déterminants non modifiables. On peut pas les changer. L'âge, c'est l'âge. Le sexe, c'est le sexe. Les facteurs héréditaires, ce sont des facteurs génétiques. Donc ça, ce sont des déterminants biologiques, génétiques, héréditaires. Hein? Ce sont ce qu'on appelle des déterminants qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas modifier. Donc là, ça veut dire que les maladies se corrèlent avec l'âge. Plus on prend de l'âge, plus il y a l'apparition de certaines maladies, maladies cardiovasculaires, certains cancers, etc. Alors, il y a aussi des maladies qui touchent le sexe féminin et qui ne touchent pas le sexe masculin et vice-versa. Par exemple, l'adénome de prostate, vous n'allez jamais l'observer chez la femme, mais vous allez l'observer chez l'homme, etc. Le cancer du sein est très moindre chez l'homme que par rapport à la femme, etc. Et les facteurs génétiques, là, c'est un autre débat. Il faut aller, bien sûr, dans ce qu'on appelle l'épigénétique, etc. Alors, les déterminants sociaux, c'est-à-dire, c'est les conditions sociales. Les conditions sociales, par exemple, le fait de travailler, de ne pas travailler, quand on a un bas niveau socio-économique, etc., ce sont des facteurs qui peuvent avoir un impact sur la santé de l'individu. Et vous avez les déterminants lié au système de santé. Vous pouvez avoir un très bon système de santé qui est là pour vous aider, pour vous soigner, et comme vous pouvez avoir un système de santé défaillant qui ne fera qu'aggraver, bien sûr, ce qu'on appelle une santé mauvaise déjà préexistante. Donc, vous voyez, donc même le système de santé, à travers des services de santé qui ne sont pas bons, peut aggraver déjà, une santé mauvaise préexistante, etc. Voilà. Bien. Donc, en résumé, mes enfants, donc toujours dans ce chapitre-là, il faut savoir que nous avons l'épidémiologie descriptive. On l'a dit tout à l'heure, elle mesure la fréquence des problèmes de santé, c'est-à-dire l'importance des problèmes de santé dans une population. Ça, c'est un point important. Donc, l'épidémiologie descriptive, à travers la quantification, bien sûr, des caractéristiques de temps, de personnes, des caractéristiques de lieu, de temps, de personnes, on peut connaître l'importance du problème par sa fréquence. Et l'objectif de l'épidémiologie descriptive, c'est de permettre de surveiller des maladies, la surveillance épidémiologique. La surveillance épidémiologique, elle permet d'aider à la planification parce que j'ai des informations, j'ai des données que je vais utiliser pour planifier mes actions dans le système de santé. Vous voyez? Troisièmement, elle aide à l'évaluation. Oui, quand nous traitons des malades, nous les prenons en charge, on peut savoir à travers les informations, combien de sujets ont été guéris, combien de sujets ont pris leur traitement, quel est l'intérêt de ce traitement, quelle est l'efficacité de ce traitement. Donc, on peut surveiller les maladies, on peut aider à la planification, on peut aider à l'évaluation des soins, et aussi, l'épidémiologie descriptive, elle nous permet de formuler des hypothèses. Elle nous permet de formuler des hypothèses pour aller vers un domaine qu'on appelle la recherche analytique ou bien la recherche de la cause de la maladie ou bien ce qu'on appelle la recherche étiologique. Bien. Voilà l'épidémiologie analytique qu'on peut appeler étiologique. Ça veut dire c'est la cause de la maladie. Voilà.
L'épidémiologie analytique, elle peut expliquer un phénomène, c'est-à-dire on va rechercher le ou les facteurs de risque qui vont expliquer les maladies, ou bien elle peut être pragmatique. Pragma veut dire l'action, l'action. Donc pragmatique, ça veut dire une épidémiologie analytique pragmatique, elle nous permettra d'identifier quels sont les groupes à risque à l'origine de développer cette maladie. D'accord? Enfin, vous avez l'épidémiologie de l'évaluation, ou bien ce qu'on appelle aussi, elle est évaluative ou expérimentale. Ça veut dire, elle nous permet d'évaluer, c'est-à-dire, on évalue les interventions que nous avons faites. Par exemple, on a vacciné une population, on va évaluer l'impact de la vaccination. On a opéré des malades, on va évaluer l'impact de l'intervention chirurgicale. On a donné de la chimiothérapie à des malades, on va évaluer l'impact de la chimiothérapie. Voyez, c'est ça ce qu'on appelle l'épidémiologie évaluative ou expérimentale. Vous comprenez? Par exemple, on a des sujets qui ont utilisé des gants stériles, le port de gants, etc. À un moment donné, on va étudier l'impact du port de gants dans la régression des maladies, bien sûr, inhérentes, bien sûr, à l'hygiène hospitalière. Vous voyez? Donc, c'est ça l'épidémiologie évaluative. Un autre exemple. Supposez que Dr. Benedjia va vous former dans une pratique médicale. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné ce qu'on appelle une formation. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va évaluer l'impact de la formation. Impact de la formation sur le changement du comportement, sur le changement de la maladie, etc., etc. Voilà à peu près les quatre principales. Vous avez une épidémiologie descriptive, vous avez une épidémiologie analytique, vous avez l'épidémiologie évaluative ou expérimentale qui vise à évaluer les interventions curatives ou préventives sur la santé des populations. Et enfin, ça c'est nouveau, l'épidémiologie clinique qui reste encore insuffisamment développée. Ça veut dire c'est quoi? C'est la science qui va nous permettre de nous aider à prendre des décisions. Vous voyez, à prendre des décisions optimales en médecine. Voilà, on étudie les caractéristiques épidémiologiques du malade. À partir de là, on va essayer de prendre des étudiants. C'est ce qui se passe avec ce que nous appelons actuellement le BM. Le BM, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle la médecine factuelle ou la médecine basée sur des faits évidents. Voilà. Donc, ça fait partie un petit peu de cette nouvelle médecine qui va nous permettre de prendre des décisions. En quelque sorte, on va dire juste un mot, c'est le raisonnement objectif en pratique de la médecine. Ça veut dire que c'est une médecine paramétrée. On a des paramètres qu'on va étudier et à partir de ces paramètres, on aura une aide de prise de décision. Voilà. Bien. Voilà encore les différents. Donc, parmi les outils de l'épidémiologique, nous avons les enquêtes épidémiologiques. Alors, on aura tout le temps d'en parler. Voilà, vous savez, il y a les études expérimentales, il y a les études non expérimentales. La différence entre une étude expérimentale, une étude non expérimentale, les études expérimentales, ça veut dire l'observateur, il est là, il va faire de la manipulation pour observer l'effet de la manipulation. C'est ça ce qu'on appelle les études épidémiologiques expérimentales. Les études non expérimentales, cela veut dire quoi? Ça veut dire l'observateur, il est là, il est en train d'observer et de décrire ce qu'il est en train d'observer. Donc, ça veut dire quoi? Le chercheur, il ne fait pas de manipulation. C'est pour cela qu'on appelle ça les études non expérimentales. Dans les études non expérimentales, vous avez l'étude de cohorte, vous avez les études transversales, vous avez les études cas témoins, vous avez les études descriptives,
qu'on aura toute la latitude de travailler ensemble à partir de la semaine prochaine. Bien. Alors, je vais juste vous donner, hein, là, j'insiste pas beaucoup, mais de toutes les façons, je reprendrai cette partie lors du cours sur les études épidémiologiques. Par exemple, vous prenez toutes ces études, là, ce que vous avez, chaque étude, elle a ce qu'on appelle un niveau de preuve scientifique. Un niveau de preuve scientifique. À titre d'exemple, vous prenez par exemple un essai clinique randomisé. Vous êtes en train d'entendre parler avec cette histoire de vaccin, de la COVID, etc. On parle d'essai clinique randomisé, etc. Eh ben, l'essai clinique randomisé, ça veut dire c'est une étude qui a un niveau de preuve scientifique numéro 1. Ça veut dire que les résultats qui sont donnés par ces essais cliniques ne sont pas discutables. Ça veut dire qu'il faut les prendre, il faut travailler comme ça. Ça veut dire, si vous voulez, on appelle ça le gold standard. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle la référence en matière d'études, c'est les essais cliniques randomisés. Bien. Ensuite, vous avez les études de cohorte. Une étude de cohorte aussi, elle a ce qu'on appelle un niveau de preuve scientifique. C'est pas comme l'essai clinique, mais c'est au-dessous, bien sûr, de l'étude de cohorte. Bien. Ensuite, à partir de l'étude de cohorte, vous avez l'étude cas témoin. L'étude cas témoin, c'est un niveau de preuve scientifique après l'essai randomisé, l'étude de cohorte, l'étude cas témoin. Ensuite, vous avez la série de cas, c'est le quatrième niveau scientifique. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la synthèse de la littérature. Voilà, vous avez donc, c'est ce qu'on appelle à peu près un cinquième niveau de preuve scientifique. Donc, vous voyez, ensuite, vous avez les méta-analyses. Les méta-analyses, ça veut dire, je vais faire une lecture, beaucoup de lectures, et à partir de ces lectures, je vais synthétiser et donner un résultat. Donc, vous voyez, donc c'est ce qu'on appelle de la méta-analyse. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les réunions de recommandations. Ça veut dire, c'est les consortiums scientifiques qui vont se réunir, comme un peu les sociétés savantes, etc., qui vont élaborer des recommandations, etc. Ce qu'il faudrait retenir ici, après on va en parler, ça veut dire quoi? Selon les études que nous faisons, chaque étude, elle a ce qu'on appelle un niveau de preuve scientifique. Il faut savoir que les essais cliniques randomisés, contrôlés, ils ont le niveau de preuve scientifique meilleur que l'étude de cohorte, meilleur que l'étude cas témoin, meilleur que la série de cas, meilleur que la méta-analyse, que les recommandations pratiques. Mais attention, 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 il faut savoir que je pourrais faire des recommandations de pratique pour faire des méta-analyses, pour pouvoir faire une synthèse de littérature, je pourrais faire une étude de série de cas, une étude cas témoin, et ensuite je pourrais développer une étude de cohorte, et ensuite je vais développer des propositions et probablement faire ce qu'on appelle une étude randomisée. Donc vous voyez, donc il faut pas avoir ce regard méprisant, ce regard réducteur sur une étude de série de cas. Une série de cas peut ouvrir des perspectives de pouvoir développer d'autres types d'études, etc. Voilà l'élément sur lequel on va revenir un peu la semaine prochaine. Voilà. Alors, vous avez les concepts de la santé. Ce sont des éléments très, très importants. Quand je dis concept de la santé, j'utilise le mot concept. Le concept veut dire « l'oral arabia », elle ferme. Le concept, c'est pas comme l'idée fikra. On peut avoir l'idée, mais le concept regroupe un ensemble d'idées. Hein, donc c'est la conceptualisation, le concept de fin. Alors, il faut savoir, dans le concept de la santé, il y a plusieurs approches. D'abord, la première approche, c'est ce que nous appelons l'approche conventionnelle de la santé. C'est quoi la santé? C'est l'absence de la maladie. Il fut un temps où la définition de la santé, c'était l'approche conventionnel, comme ça, quand on disait je ne souffre pas, je n'ai pas de douleur, je n'ai pas de maladie, ça veut dire que je me porte en bonne santé. Voilà, cette approche, attention,
elle ne tient pas compte de l'environnement économique, social, culturel. Pourquoi? Parce que quand je n'ai pas d'argent, quand je n'ai pas de ressources, peut-être que je me porte bien, mais moralement, je me sens très très mal. Vous comprenez? Donc, l'impact de l'environnement économique, social, culturel peut avoir un environnement, peut avoir un impact négatif et on peut tomber malade. Donc, la santé, c'est l'absence de la maladie. Donc, c'est une approche conventionnelle, mais qui ne tient pas compte des trois éléments, des trois éléments, l'environnement économique, social et culturel. Il a fallu attendre 1946. L'Organisation mondiale de la santé avait donné la première définition de la santé en 1946 et qui est restée l'approche globaliste de la santé. Regardez, elle est globale et la santé, elle est définie comment? C'est un état de bien-être complet, physique, psychique et social. Retrouver trois éléments. Ça veut dire quoi? Je me porte bien physiquement, moralement et socialement. Donc, il y a trois éléments. Si vous voulez, c'est comme si vous prenez l'être humain, il est dans une roue d'Aera. D'Aera, vous avez un environnement physique, un environnement psychique, un environnement social. Et l'être humain, il est à l'intérieur de la roue, il est en train d'assurer un équilibre entre le social, entre le physique et entre le psychique. Voilà. Donc, il est en train de maintenir un équilibre. Si l'une des forces l'emporte, le sujet tombe malade. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on dit que, selon l'OMS, la santé, c'est un état de bien-être physique, psychique et social, et pas seulement comme la simple absence de maladie ou d'infirmité. Je vous donne des exemples. Barahosé, qui était aveugle, n'empêche qu'il a été le prix Nobel de la littérature. Donc, voyez, donc il avait un handicap physique, mais lequel handicap physique ne l'a pas empêché d'être un prix Nobel de littérature. Je peux vous donner des exemples. Beethoven, à titre d'exemple, qui avait une hypoacousie bilatérale, qui est un handicap physique, n'empêche qu'il a été le meilleur compositeur du monde, etc., etc. Donc, vous voyez, donc l'handicap ou la maladie, par exemple, ne peuvent pas rentrer dans ce type de définition parce que la maladie s'installe quand il y a un déséquilibre physique, psychique et social, on peut avoir l'apparition de la maladie. Voilà les trois éléments et c'est la meilleure définition qu'un médecin, quel que soit son statut d'exercice, qui n'a pas ce regard de la santé. Ça veut dire que la santé, c'est pas le fait d'avoir une infirmité, c'est pas le fait, l'absence de la maladie, mais c'est complet. Ça veut dire je suis bien physiquement, psychiquement, socialement. Ce sont trois éléments. Donc vous voyez, c'est ça, c'est la chose qu'il faudrait comprendre. Et un médecin qui ne pense pas à cet aspect social du malade, l'aspect psychique du malade, l'aspect physique du malade, c'est qu'il n'a rien compris justement à la médecine, parce que deux fois, il suffit d'avoir quelqu'un qui est en bonne santé, il a un environnement économique qui est très très mauvais, et bien automatiquement, il va tomber malade. Bien. Ensuite, vous avez la troisième approche, regardez, approche prospective de la santé. Prospective, ça veut dire lointaine de la santé. Regardez, la santé, elle est comment elle peut être définie? Regardez comme un équilibre, tawazun, entre les différents facteurs endogènes et exogènes. Quand je dis les facteurs endogènes, ça veut dire c'est l'individu et son environnement. L'individu et son environnement. C'est-à-dire un équilibre entre les facteurs endogènes et exogènes qui sont chez l'individu et son environnement, et d'autre part, les moyens disponibles pour contrôler ces facteurs, c'est-à-dire capital de connaissance, fruit de la technologie, etc. Donc, c'est ça la nouvelle approche de la médecine. Vous voyez maintenant la génération qui va venir,
C'est une génération. Est-ce qu'elle peut vivre sans le numérique? Est-ce qu'elle peut vivre sans le portable? Est-ce qu'elle peut vivre sans l'ordinateur? Est-ce qu'elle peut vivre sans la télémédecine? Est-ce qu'on peut vivre sans le e-learning? Vous voyez? Donc, le monde de demain, justement, le monde de demain et la santé de demain, justement, sera une santé où il faudrait tenir compte individus, environnement et des moyens disponibles pour contrôler ces facteurs. C'est ça la nouvelle approche prospective de la santé. Ça veut dire à un moment donné, il faut avoir le courage de le dire, et je ne le dis pas avec un pessimisme, parce que la COVID nous a permis, elle a été révélatrice d'un dysfonctionnement sociétal extraordinaire. Cela veut dire que la modernité que nous partageons a rendu vulnérable notre existence et notre manière de voir et notre manière de vivre. Finalement, la COVID, justement, dans toute sa dimension, pas uniquement dans la dimension maladie, SARS-CoV-2, etc., dans cette dimension globale, elle nous a montré notre vulnérabilité. Voilà. Je vais dire quelques mots sur la médecine sociale. Vous savez, avant l'épidémiologie, on appelait ça la médecine sociale. Après, Ishtimari, Philippe Guérin, qui en 1848, justement, avait développé ce concept. Mais attention, le concept de la médecine sociale, après Ishtimari, ça veut dire que c'est une médecine qui suivait un courant philosophique et qui déterminait les maladies. Ça veut dire les facteurs sociaux influaient sur la santé et le déterminisme de la maladie, etc. Donc, on appelait ça la médecine sociale. La santé publique, selon Winslow, la santé publique, c'est autre chose, la définition qui est actuellement admise, la santé publique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une intervention planifiée, réfléchie, sur l'environnement, sur la population, voilà pourquoi, pour prévenir la maladie, pour faire la promotion de la santé, pour faire des soins curatifs, pour réadapter les gens quand ils sont malades et pour aussi l'éducation pour la santé. C'est-à-dire que la santé publique, c'est une discipline multi-interdisciplinaire qui est plus importante et plus expansionniste que la médecine. La santé publique, car le but d'un système de santé, c'est quoi? C'est protéger la population de la maladie ou bien du risque de développer la maladie. Et la santé publique, elle s'inscrit justement par son organisation, par sa planification justement à protéger la population de la maladie et en même temps de faire la promotion de la santé. Voilà à peu près selon Winslow, etc. Ensuite, vous avez la médecine préventive. La médecine préventive, bien sûr, c'est une branche qu'on ne peut pas séparer de la médecine clinique parce que elle est non dissociable. Elle est non dissociable. Il faut savoir que dans la prévention, la médecine préventive, vous avez trois éléments. Vous avez une prévention primaire, vous avez une prévention secondaire, une prévention tertiaire et une prévention quaternaire. La prévention primaire, ça veut dire quoi? C'est l'ensemble des gestes ou des actes ou des services qui vont nous permettre de baisser la maladie ou bien d'éviter l'apparition de la maladie. Voilà, très important. Ça veut dire réduire le risque qu'il y ait une maladie. Ça veut dire on diminue l'incidence de la maladie. C'est ça la prévention primaire. Mais attention, j'insiste sur un élément très très important. Regardez, quand je dis, c'est l'ensemble des actes qui seront destinés à éviter à ce qu'il y ait l'apparition d'une maladie dans une population donnée. Ça veut dire quand on calculera les nouveaux cas de maladie, il y aura zéro cas. C'est-à-dire, il y aura moins de cas.
Bien. Il faut savoir, et j'insiste, et j'ouvre une parenthèse, mes enfants. Regarde. Que les soins primaires, en 1978, dans une conférence internationale, qu'on appelait à l'époque le sommet d'Alma-Ata, avait défini ce que c'est que les soins primaires. Les soins primaires, ça veut dire quoi? Ce sont des soins de santé essentiels qui sont universellement accessibles à tous les individus. Très important. Troisièmement, comment? Par des moyens acceptés par la population. Et enfin, qui ont un coût qui est abordable par le pays. Très important. Voilà. Et à l'époque, en 78, elle a défini ce qu'on appelle les soins de santé primaires. C'est ce qu'on appelle, ça veut dire, chaque pays doit avoir les moyens de mettre en place ce qu'on appelle les soins de santé primaires. Ça veut dire, il y a des maladies qu'on devrait éviter par des soins de santé essentiels, accessibles à tous les individus, par des moyens acceptables par la population, avec un coût qui peut être abordable par le pays qui a en gestion la population. Très important. Pourquoi? Ces soins de santé primaires, regardez bien ce que dit l'OMS, représentent le premier point de contact de la population avec le système de santé. À titre d'exemple, par exemple, les soins de santé primaires, on n'a pas le droit de parler de typhoïde, alors que le premier soin primaire, c'est de pouvoir fournir à une population de l'eau qui est potable. Donc, la potabilisation de l'eau est un soin de santé essentiel qui, normalement, devrait être accessible. Comment? Par des moyens qui sont acceptables par la population. Quand on n'a pas de moyens, il y a des plans de citernage, ramener le main, etc., etc. Et quatrième élément, le coût. Ça veut dire que l'État est en mesure justement de l'assurer à cette population. C'est le même exemple que la vaccination. C'est pour cela que la vaccination, elle est gratuite. Ça veut dire que c'est un coût qui est abordable par la population. C'est un moyen qui est accepté par la population. Ça veut dire que c'est un moyen qui est universellement accessible à la population et c'est un soin de santé de base qui va réduire, bien sûr, l'apparition de la maladie. C'est un élément important. Ensuite, vous avez la prévention secondaire. La prévention secondaire, ça veut dire tous les actes que je fais qui vont permettre de réduire ce qu'on appelle la durée d'évolution de la maladie. Ça veut dire quoi? Pour réduire ce qu'on appelle la prévalence de la maladie, ça veut dire les nouveaux cas et les anciens cas. Ça veut dire, à un moment donné, je réduis l'évolution de la maladie. La prévention tertiaire, ça veut dire tous les actes que je vais mettre en place pour essayer un petit peu de prendre en charge les aides, plutôt de limiter le risque des conséquences graves comme les incapacités, comme l'handicap, comme les rechutes, comme les récidives d'une maladie, etc. Voilà, c'est ce que nous appelons la prévention tertiaire. Et vous avez la prévention quaternaire, ça veut dire tous les actes qui vont nous permettre de prendre en charge, par exemple, l'handicap en lui-même, comment faire la réinsertion sociale, etc. Enfin, vous avez la santé communautaire. La santé communautaire qui est très développée dans certains pays du monde. Je vous donne deux exemples, c'est le cas du Canada et actuellement vous avez le Maroc. D'ailleurs, les services d'épidémiologie, on les appelle maintenant encore les services de santé communautaire. Alors, c'est quoi la santé communautaire? Santé communautaire, il y a le mot communautarisme, ça veut dire les membres d'une communauté qui sont définis selon la langue, selon la géographie, etc., qui appartiennent à une même région et qui vont s'auto-prendre en charge en matière de santé. Regardez, ça veut dire ils expriment leurs besoins, ils réfléchissent ensemble sur les problèmes de leur santé, ils anticipent sur le cours de certaines maladies, ils participent, ça veut dire c'est ce qu'on appelle une médecine participative.
Voilà, ils sont là, ils se réunissent, ils définissent leur mission, leur objectif et les moyens pour s'auto-prendre en charge. On appelle ça, entre guillemets, une sorte de démocratie participative, etc. Alors, ce que je vais vous dire sur cette santé communautaire, je vais dire un mot important, ces nouvelles dimensions du concept de santé, deux conséquences importantes. D'abord, il y a une responsabilité croissante des individus, des familles, des communautés devant les risques qui menacent leur santé. Ça veut dire maintenant les familles, les communautés, les individus prennent conscience que le risque de maladie est commun, donc on va se réunir, on va anticiper pour s'auto-prendre en charge. Deuxième élément, justement, qui a fait que ce nouveau concept, justement, prenne un élan important, c'est l'approche multidisciplinaire et multisectorielle des problèmes de santé. Ça veut dire que les gens ne sont plus uniquement dans un problème médical, mais ils sont dans un problème sanitaire. Problème sanitaire sous-entend que le problème n'est pas uniquement le problème de l'individu, mais ça veut dire c'est l'intervention de plusieurs secteurs qui vont justement s'associer pour intervenir, pour régler le problème. En conclusion, mes enfants, qu'est-ce que je vais vous dire? À la lecture de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a dit, de tout ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que l'épidémiologie, quand vous venez de le voir, elle est passée de la simple observation à l'explication des phénomènes de santé. Nous sommes passés de l'observation à l'explication des phénomènes et à l'évaluation des actions que nous avons entrepris dans le domaine de la santé. Deuxième élément, c'est que le champ d'application de l'épidémiologie se répartit sur trois domaines, comme vous l'avez vu. On a un champ d'application descriptif, il peut être étiologique, comme il peut être évaluatif. Troisième élément, mes enfants, il faut retenir que l'épidémiologie, elle utilise une méthode de mesure, donc elle est quantitative, de l'étude de la santé des populations. Moralité de l'histoire, c'est que l'épidémiologie, elle est là pour identifier, elle est là pour décrire, elle est là pour quantifier, elle est là pour alerter et elle est là pour décider. J'identifie le problème, je le décris pour mieux le faire connaître et le comprendre, je le mesure, je développe des signaux d'alerte et de signalement. Pourquoi? Pour aider à ce que on devrait prendre des décisions pour réduire la maladie. C'est ce qui est en train de se faire à titre d'exemple dans cette pandémie de la COVID. On a identifié la COVID, on décrit la COVID, on mesure la COVID, on développe des signaux d'alerte à partir de la biologie ou bien à partir des signes cliniques et à partir de là, nous décidons d'une attitude à prendre. Voilà ce que je voulais dire. Avant de terminer mes enfants, permettez-moi juste de vous présenter une toute petite diapositive. Bien, regardez. J'ai terminé afin que vous réfléchissiez un petit peu. Regardez cette diapo qui remonte à très longtemps. C'était une enquête nationale qui a été menée en Algérie. Ce qu'on appelle l'enquête des indicateurs multiples qui a été développée en Algérie sur les maladies chroniques, les maladies non transmissibles. Cette étude avait montré que la prévalence des maladies non transmissibles en population générale, elle était de 10,5%, 8,4% représentée chez les hommes et 12,6% représentée chez les femmes. Et là, ce que vous avez, 0,18 dans les tranches d'âge, et vous avez dans la colonne de gauche, vous avez les pathologies, hypertension, diabète, maladie articulaire, asthme,
maladie cardiovasculaire, autre maladie chronique. S'il vous plaît, regardez les deux colonnes qui sont colorées en rouge. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la tranche d'âge 35, 59 ans, 60 ans, etc. Observez très très bien mes enfants en matière de maladies chroniques. Toutes les maladies chroniques, telles que l'hypertension artérielle, elles commencent à s'accrocher à partir de 35 ans. Le diabète, il commence à partir de 35 ans. Les maladies articulaires commencent à partir de 35 ans. L'asthme commence à partir de 35 ans. Les maladies cardiovasculaires, autres maladies, commencent à partir de 35 ans. 35 ans, quand même, c'est un âge où l'individu est censé être productif, est censé être en bonne santé, être censé être bon citoyen pour donner le meilleur de lui-même à la production de son pays. Prenons des exemples, nous qui sommes médecins, si nous allons nous regarder dans ce tableau. Nous terminons nos études à 30 ans, nous faisons une spécialité, le temps de terminer et de pouvoir rentrer dans le champ du travail, on commence à tomber malade, à faire de l'hypertension, à faire du diabète, à faire des maladies articulaires. Cela veut dire quoi? Pour prévenir tout ça, et comme nous sommes à un âge avant 35 ans, n'est-il pas préférable de se regarder dans les yeux et de dire que finalement la bonne santé, c'est un environnement physique, c'est un environnement physique, c'est un environnement social. Ça veut dire qu'il faudrait faire du sport, il faudrait avoir une bonne vie mentale, une bonne vie sociale, une bonne vie psychique. Voilà mes enfants et je tiens à vous remercier de votre attention. Voilà. Ça m'a fait un très grand plaisir de vous avoir pris pendant ces deux heures. Eh ben, je dis d'abord à ma sœur Dr. Benalji, à vous la remercier infiniment, et à l'ensemble des étudiantes et des étudiants, je vous dis merci, et je vous donne rendez-vous au courant de cette semaine pour faire la surveillance épidémiologique et les études épidémiologiques.